Bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode où il fait extrêmement froid. Quoique, peut-être pas. Ça va, on a vu pire. Donc, bien, très bien, on a ça très bien. Donc on va partir à la recherche de la mine fantôme. On va l'appeler la mine fantôme maintenant parce que honnêtement j'ai l'impression encore une fois que quelqu'un s'est amusé à mettre des panneaux partout. Donc nous on est ici, on est à la retraite du maçon et apparemment il y aurait une mine fantôme par ici. Voilà, j'appelle une mine fantôme, ça va faire au moins 4-5 épisodes qu'on essaye de la trouver. Bon, après, on a eu des problèmes, hein, parce que, bon, voilà, quoi. Mais voilà, donc on va longer le chemin. Là, c'est là qu'on avait trouvé, je crois, la photo. Donc voilà, si jamais ça vous tente, ça doit être une zone pour la photo, elle peut apparaître ici. Bref, on a une grotte ici pour se réchauffer. On va longer la paroi de droite, hein, évidemment. On va passer par la droite, on va aller à la grotte pour se réchauffer si besoin. Et après, comme j'ai dit... on va tracer pour la grotte. Alors, est-ce qu'on prend des choses sur nous? Honnêtement, je pense pas qu'on ait besoin de prendre quelque chose sur nous. Genre je parle de peau et tout ça, désolé j'étais perdu dans mes pensées. Je parle de peau et tout, est-ce qu'on a besoin de prendre des choses? Je dirais que non. Je pense qu'on peut partir. Putain, de toute façon après c'est pas un endroit très grave. Enfin c'est pas un endroit très loin de tout en fait. Donc ça va, c'est un endroit assez accessible. C'est ça que je voulais dire en fait. C'est assez accessible, on peut passer par là, il y a le mobile home, tout ça, après on peut faire ligne droite, puis après on retourne à la prison. C'est pas grave, honnêtement c'est pas un endroit problématique. On va faire ça. Attendez, on sort avec combien de... Ouais, on va sentir la barbaque un peu. Je sais pas trop. Voilà, on a qu'à faire ça. Allez, on y va. On est à 45.2, ça va. Le temps qu'on boive et tout ça, on sera bon. Alors on pourrait se faire un petit thé pour se réchauffer et tout, vous savez, pour avoir le buff, mais non. Aussi, on avait parlé de l'élan, parce qu'il y a un élan qui se balade ici. On pourrait donc le chasser, il y a aussi un ours. Donc est-ce que... Enfin j'avais dit oui, ça serait bien quand même de les chasser si jamais on les voit. Donc est-ce qu'on est toujours dans l'optique de le faire si on les voit, s'ils sont sur le chemin ou pas? Je ne sais pas honnêtement. Dans un sens, je me dis, j'espère ne pas tomber dessus, parce que sinon je vais devoir prendre une décision. Voilà. Et du coup, j'ai pas vraiment envie de prendre une décision. Donc je préférais ne pas les rencontrer, en fait. Sinon, on a le... Oui, on est bon. Ok, donc on a la route. Je pensais à la carte sur la route en fait. On avait vu qu'il y avait des loups, je crois. Je me rappelle plus. Je crois qu'il y a des loups, il y a des bandes de loups gris là-bas, au loin. Donc est-ce qu'on va pouvoir passer sans problème ou alors on va se faire attaquer? Je ne sais pas vraiment. On va devoir faire du feu. J'ai pas pris de bois sur moi. Je crois que j'ai zéro bois par contre. Alors, je crois que la grotte, elle est à droite. Hein.
Ok. On est bon, on est bon. Putain, je peux pas avancer plus loin. Je peux pas avancer plus haut. Ok, en plus on a un risque. Ouais, ok, ça marche. Là on est dans la merde. On peut faire ça. Ok, on va devoir avancer. Ou alors on fait. Non, on va devoir combattre. Parce que sinon, si on fait le coup du. Ah putain, il faut qu'ils viennent, c'est con. Si on fait le coup de la. De la fusée, ça va être la merde. Voilà, ça c'est un. On n'en parle plus déjà. Ah putain, il m'a fait peur ce con. Parce qu'on est accroupi en fait, donc ils nous sentent plus, donc ils sont en repos. C'est ce qui se passe en fait. Il y a l'autre vite. Très bien. C'est du 100% headshot, sauf le tir que j'ai fait là qui était mauvais. Mais ça c'est parce qu'il m'a fait sursauter ce con. C'est juste ça, c'est parce qu'il m'a fait sursauter. Du coup j'ai pas... Ouais, allez, là. On devrait en avoir 14. Ouais. C'est bon. On en a cassé une. Ok, on va y aller, on va avancer, on va se réchauffer. Non, me dis pas qu'il y a du brouillard, non. Bon, ça va, ça s'est bien passé. Alors là, on a le panneau mine tout droit. Donc nous, on veut d'abord aller... Oula, c'est quoi ça? C'est des... C'est des... de l'ours ou du... Non, ça a l'air d'être trop petit, ouais. Non, c'est du loup, ça. Ça va, on risque rien. Les empreintes de pas, hein, je parlais des empreintes de pas. Ok, très bien. Parfait, 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 parfait. Voilà, bien. On va faire ça. Alors déjà, on a ça. Ouf. Ah là, c'était du sport. Fallait vite tirer, bien tirer, bien réagir, en fait. Là, c'était assez sportif. Dormir une heure, le temps de se réchauffer, récupérer un tout petit peu de vie, vraiment un tout petit peu. Mais c'est surtout pour se réchauffer d'un coup. Et on est bon, on part. Ah, très bien. On pourrait même faire un tout petit feu, histoire de faire cuire un... du thé, mais bon, ça fait un peu... Ouais, il fait pas trop froid non plus, ça va. On a des pas... Ouais, c'est du loup, ça, ça va. C'est du petit loup. Ça, là, si... Encore une fois, comme nous, on est bon en chasse et tout ça... si on combat que du loup gris, on est très très safe en fait pendant un long moment, une fois qu'on a tué la meute. Donc c'est tranquille. Donc faut juste espérer qu'il n'y ait pas de loup noir en fait qui se balade. Et là, honnêtement, on peut juste explorer tranquillement. Voilà, si c'est que ça à chaque fois, ça va. Bon, par contre, je suis pas très heureux parce que on n'a pas de visibilité. Encore un panneau mine. C'est bien un panneau mine, ça. Ouais, c'est bien un panneau mine. On va rester sur la route. Pour le moment. J'entends encore. Mais ça, c'est du loup gris. Très bien.
Je pense que les loups gris, honnêtement, pour parler un peu de mécanique de jeu de seconde, c'est un bon, c'est une bonne balance parce que c'est agressif et dangereux. Mais si vous débrouillez bien comme ce qu'on fait, parce que nous on a l'expérience, on a le matériel et tout ça, on peut les tuer. Et une fois qu'on les tue, on est tranquille en fait pendant un moment. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne balance en fait. Par contre, là, on est en train de bifurquer sur la gauche. Ah, il y a un panneau. Mine, on a un cerf. Oh, bon. Je voudrais bien pouvoir dessiner, on peut pas dessiner, c'est chiant. Avance. Donc là, on pourrait faire une pause. On n'a pas besoin, mais on pourrait faire une pause pour le cerf. Il est juste là. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas froid. Donc autant avancer. Par contre, je vais juste prendre un peu plus de petits bois. Il m'a enlevé pas mal de vie, hein, c'est con. Hein. Ouais, on peut pas faire grand chose pour ça. Ah oui, on a que deux bandages, je crois. Il ne reste plus que deux bandages. Donc faut absolument qu'on en refasse. C'est pour ça que, comme j'ai dit à un moment, il faut garder un peu de... Oh. Garder un peu de... De tissu. Alors, attendez. Ok. Charbon, ça on va le prendre. C'est quoi, c'est ça la mine? Comment on y rentre? Peut-être de l'autre côté des rails. Par contre, je suis à 47. Le trespassing, c'est bon signe. Pont aux mules cassées. Oh non! Oh la blague! La blague ultime. Attends, t'es sérieux là? Attends, on a froid ou pas? Non, pas encore. Par contre, il va commencer à faire nuit. Enfin non. Qu'est-ce que je raconte? Ça va, il est encore midi. 48 kilos, ok. On va un peu arrêter le petit bois, là. Attends, j'entends le cerf. On va... Je vais juste rester en hauteur, parce que je voudrais... Est-ce qu'on... Tu vas voir qu'on peut pas... Ah, si! Yes! Ok. Pont aux mules. Donc, nous, on a fait ça très bien. Là, ça a l'air cul-de-sac. Ouais. Là, c'est la fin de la map, en gros. Ouais. Là, c'est cul-de-sac. Nous, on a le pont qui est cassé. Donc, il faut franchir le pont. Peut-être là. Genre là, ça, si on continue. Du coup, on continue là. Attends, je vais me suicider, là, par contre. Hein. Oh, doucement. Ah oui, ça, on a un peu froid. Ok, là, peut-être là. Peut-être ce passage. Par contre, est-ce que je peux... Est-ce que je peux descendre ou il faut que je fasse le tour? Là, ça a l'air de... Non, je suis pas 100% sûr, en fait. Enfin, la question, c'est est-ce que je peux revenir en arrière? Ok, je crois qu'on est piégé. C'est la merde. Putain, on est Spider-Man, quoi, c'est chaud. On est Spider-Dude. Spider-Dude. Ok.
J'essaye de dans ma tête en fait. Alors ce qu'on va faire, parce que là apparemment, donc on a un pont qui est brisé, mais nous on doit aller de l'autre côté parce que il y a un côté de la mine, on va appeler ça une mine, qui a l'air bloqué. Donc là on est plus ou moins en parallèle en fait avec le pont qui est là. C'est peut-être même le côté où il y a le pont en fait. Ah la pute! Ah salope! Ça va. Putain, je m'y attendais pas à celle-là. Je m'y attendais pas. Ça va, on n'a rien eu. Elle met tellement longtemps à... Il est là. Elle met tellement longtemps à sortir l'arc. Cette conne. Ok, il est blessé ou pas? Oui, il saigne. C'est, ça va, c'est, on est bon, pas grave. Coin de l'idiot. C'est marrant ça, tiens. C'est super drôle. Oh, là! Ok, alors attends, moi je veux bien descendre, mais est-ce qu'on peut remonter l'autre... En fait, faut aller là-bas, gros. En gros, faut aller là. Donc on va peut-être passer par là d'abord. J'ai pas vraiment envie de descendre en fait. Faut qu'on se réchauffe aussi. Mais on a un loup qui traîne. Ça serait bien, si jamais j'arrive à le tuer. Si jamais j'arrive à le tuer, on va peut-être faire un camp à côté de lui. Et comme ça on en profite pour le dépecer. Ouais, toujours sur ses traces. C'est quasiment impossible de remplir la barre hein, en tapotant. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Là-bas, on a du débois. On est déjà venu ici ou pas? Ah bah si, on est de retour à la cabane, la blague. Oh mon dieu, on est de retour ici. On a fait ça. Alors. Alors. On va faire ça. Enfin, on fait un feu ici. Pourquoi, en fait? Parce que je veux me réchauffer, surtout. J'aurais peut-être pas dû descendre. Mais la cabane est trop loin. Très bien. Très bien. Ok, parfait. Et je voudrais faire ça. Ça m'embête un peu le coup de la ville, hein. Là, c'est un peu un problème. 33 minutes, ça va. On va manger ça.
Ok, très bien. Est-ce qu'on en a en trop? Non, ça va. On est à 2 de 2. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir. Parce qu'il nous reste encore un peu de temps de journée. On va repartir. Donc, nous, on est là. Hein. On est arrivé ici. On va repartir. Enfin, non, on est plutôt descendu. Ou alors on reprend le chemin et on descend la corde, ou alors on essaye de bifurquer sur la gauche. Mais il faut absolument qu'on arrive ici en fait. Donc peut-être qu'on va descendre au final. Peut-être qu'on va descendre. Ouais. Peut-être qu'on va descendre. Non, pas ça. Ok, on y va. Ah, ça nous a mis mal, hein, le coup du loup. Ça nous a mis un tout petit peu mal. Pas très très heureux de ça. Bon, pour le moment, on risque rien des loups gris. Mais là, le loup noir, c'était pas prévu. Putain, en plus, j'en avais juste parlé juste avant. Allez. Et je l'ai pas entendu. Mais après, j'étais en plein discours. J'ai pas entendu parce que ça. Parce que j'étais surtout en plein discours. C'est ma faute. Trop parler. Pour gagner du temps, j'aurais dû faire quoi? Genre, demi-tour, courir, sprinter demi-tour, en essayant de voir si ça me donne assez de temps pour sortir l'arc et de pointer. Je suis même pas sûr que ça marche. Ça va. Niveau chaleur, on est très bon, on n'a même pas froid. Donc on peut en profiter. On est un peu fatigué par contre. Alors, ça c'est encore les traces du loup. Il a pas l'air... Ouais, non, elles vont vers l'extérieur. Il a pas l'air d'être revenu sur ses pas. Il est sûrement mort. Honnêtement, il est sûrement mort, je pense. Je suis pas complètement certain comment ça se passe quand on les combat au corps à corps. Je sais qu'on les saigne et en théorie, ils devraient mourir au bout d'un moment. Mais ça doit être très très long comparé à des flèches. Mais ouais, là on n'a pas de pas qui revont dans cette direction, donc on est tranquille. Bon, bah du coup, je pense qu'on va descendre. Hein. Je pense qu'on va descendre la corde parce que je vois pas d'autre chemin en fait. Ouais, ça va dans cette direction, on est bien. Pas trop ce bruit. Ok, go. Comment c'est long et profond. Je crois qu'on le fait en une fois.
Est-ce qu'on a encore un thé qui est chaud? Non, tout est froid. Okay. Donc là, à droite, on a l'éboulement. Alors, je voudrais bien aller récupérer ma torche avant. Donc là, c'est vers l'extérieur. De ce côté-là, c'est vers le pont, en fait. Donc on va d'abord voir l'éboulement. Où le pont s'est... Là, on le voit, le pont. Le pont s'est détruit. S'il n'y a pas des objets, tout ça, parce que des fois, hein, on sait jamais. Donc, ouais. Nous, on venait du côté droit et on veut aller au côté gauche. Donc on va voir ça. Donc on va essayer de... Ça a l'air de bifurquer un peu sur la droite. C'est peut-être possible que ça mène à quelque part et puis qu'on remonte et qu'on fasse tout un tour. Et après on arrive sur l'autre rive en fait. Mais bon, on va voir. Oh 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 oh. Très bien. Ah ah ! Waouh, trop bien. Ah, mais il y a du charbon par contre. Ça, c'est bien. Oh merde, la torche. Ok. Bon, là, il n'y a rien. 46, ça va. Par contre, elle est fatiguée. Donc, on va devoir avancer. Ça fait haut quand même. Bah, je pensais pas que c'était aussi haut. Je vais être honnête. Parce que pour remonter, on va s'amuser quoi. Il va falloir faire une escale et tout quoi. Là c'est en deux fois au moins. À moins qu'on trouve un autre passage. Hein. Moi, je serais pour même trouver un autre passage, hein, parce que je... Ouais, c'est pas le fun, ça. Pas vraiment le fun. Par où je passe? Mais t'es marrant, Ah ouais, non, là t'es pas drôle, là, par contre. Non, là, ça a l'air pas mal. Voilà, 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 on est bon, on est bon. Ah mais non, mais en fait, même remonter, en fait, on pourra pas. Ah mais même remonter, non, c'est mort, là. Alors là, on trouve un autre chemin où on crève, c'est bien. C'est bien, l'exploration. Moi, je trouve ça cool. Ça va, on se réchauffe. Par contre, je voudrais bien garder la torche pour pouvoir faire un feu. Enfin, à quoi ça nous servirait de faire un feu? Oh, il y a une corde, là, ok, c'est bon. Alors attendez, nous on était à droite, on va aller à gauche. Donc cette corde là serait peut-être la salvation. Ah, il y a une grotte. Cette corde là pourrait nous mener sur la bonne rive. Attendez, on va garder quand même le feu. Juste au cas où, si on a quelque chose, mais je pense pas. On a du charbon magique. Non, je pense qu'on n'a pas besoin des torches. C'est bon. Je préfère quand même en garder des torches. Juste au cas où. Alors... Du coup, on va faire comme ça. Très bien, très bien. Bon, on a un endroit déjà où on peut rester caché, tout ça.
On va aussi aller dessiner la corde, comme ça on l'a sur la map. On essaye de dessiner les points stratégiques, hein, comme d'habitude. Non, c'est pas grave. J'aurais dû déposer des objets. Attendez, parce que là on est trop lourd en fait. On entend beaucoup d'éboulements. De petits éboulements, ça fait un peu peur, mais. Y a pas des massettes. Pas de massette. Cette corde aussi, elle est grande. Mais elle a l'air d'être en deux fois. On dirait qu'il y a un pont arbre. Donc ça va. Okay. Ah, est-ce qu'on pourrait revenir sur la pas la mine, la prison. Du coup. Par contre, là, quand on va dormir. On va prendre un thé pour récupérer plus de vie. Parce que là, je... Oui, non, là, c'est pas bon. Alors après, on est dans un ravin. On devrait... Honnêtement, je pense pas qu'on risque grand-chose. Les loups, tout ça, les ours... sont plutôt dans les prairies, enfin, ou les forêts. Là, on est dans un ravin gelé. Donc, en théorie, il devrait pas avoir grand chose, voire rien. Peut-être des lapins à la limite, mais. Mais basta. Par contre, là, si ça retombe, redescend, j'y vais pas. Parce que nous, on veut prendre la corde. Nous, on veut absolument prendre la corde. Faut qu'on prenne les massettes parce qu'il n'y a pas d'animaux. Aux alentours, donc on est limité en ration. Attends. Ça va, on peut remonter. Est-ce qu'il y a une grotte derrière? Non. Non, non, non. Ok, je pense que ça va être notre point où on s'arrête. On va prendre toutes les massettes par contre. On va peut-être dessiner cet endroit. Pendant qu'on a encore chaud. Voilà. Après, ce qu'ils pourraient rajouter dans The Long Dark, ce serait la possibilité de pouvoir pêcher plus ou moins n'importe où. Parce que là, on est d'accord que s'il y a des petites chutes d'eau, en dessous, c'est pas complètement gelé. C'est pas genre 7 km de glace, on est d'accord, en toute logique. On va dire que c'est assez gelé pour qu'on marche dessus. Mais si on casse un peu, je suis sûr qu'on arrive à trouver de l'eau. Donc, ça serait sympa d'avoir la possibilité de creuser un trou. Alors, attends, je crois que toi, tu t'es en train de me dire que là, on a un pont. On peut remonter? Oui, on peut remonter. Ouais. Par contre,
qu'on a encore. Ça va, on est encore bon. Niveau température. Là par contre. Où est-ce qu'on est? En théorie, on devrait revoir la... Ah, en fait, on est bas. C'est ça le problème, c'est qu'on est très bas. Ah, corde. Ouais, je pense qu'en fait, on retombe sur la... Sur la prison après. Oh mon dieu. Non, attends. Je voudrais juste aller dessiner la corde. Juste avant qu'il fasse nuit. Okay, très bon. Ouais, donc là on remonte et on arrive par-dessus et on est à la prison. Ok, donc ça c'est bon signe. C'est bien. Par contre après on peut continuer là-bas. Là j'ai l'impression que c'est une grotte ça. Je suis pas sûr. Pas complètement sûr. Allez, on va rentrer. Intéressant cet endroit. Mais intéressant mais dangereux niveau nourriture parce qu'il y a très peu de massettes et il n'y a rien d'autre. J'ai envie de me réchauffer maintenant en fait. Parce que j'ai pas envie de perdre trop de vie en plus. Ouais non mais ça va, on n'est pas méga loin. On devrait être bon. De toute façon, on va pouvoir bien dormir. Ouais, je voudrais faire un feu, en fait, juste pour pouvoir faire un thé. Et le boire, comme ça, on se réchauffe. Après, qu'est-ce qu'on prend? On prend une tisane. Enfin, c'était une tisane que je voulais dire pour dormir. Et après, on a un thé aussi. Qui permet de récupérer de la vie. Est-ce qu'on prend les deux ou pas? Je dirais pourquoi pas. Ça nous ferait double vie en plus. Enfin, double, non. Mais on récupérerait pas mal de vie. Là, on est exténué. Là, par contre, on l'a bien poussé au max. Là. Ouais. Je sais pas si on va pas s'arrêter à cet épisode maintenant. Ça fait un peu un épisode court. Après, on a quoi? On a la corde. Deux cordes à prendre. Là, on en a une à droite aussi, vous voyez. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Donc, une, deux. Et après, on devrait être de l'autre côté. Juste au cas où. Oh merde! Il peut donc avoir du monde ici. On l'a tué à un très mauvais endroit, mais c'est pas grave. Voilà, on est sorti d'affaire. Fouf.
Eh ben. C'est pas le fun. Hein. Ah, très bien. Nous, on va se mettre en arrière. J'aime bien me mettre dans ce coin-là, moi. Je sais pas pourquoi. Ok, donc. On veut manger. Très bien. On veut donc. Alors attendez que je fasse pas de conneries. Bon, déjà on peut boire. Ça nous mettra de. On a donc ça. Voilà, tisane naturelle, améliore la vie progressivement. Et après, je veux tasse de tisane. Voilà, très bien. Et on va se mettre à fond et on va dormir. Voilà, très bien, repos améliorer machin. Très très bien. On va dormir 10 heures. C'est parti. Ok, très bien. Un peu, ouais, ça fait un peu... Ça fait un peu trop froid en fait. Pour aller découper le loup. Mais je voudrais bien le découper en fait. Je voudrais vraiment bien le découper. Alors, on fait voir un peu. On va en manger 3. Faudrait qu'on refasse une tisane. On va pas le faire maintenant parce que j'ai pas envie de faire du feu maintenant. Je pense qu'on va prendre une tisane de bouleau. Après on en refera. Pour se remettre un peu plus d'HP pendant qu'on dort. Ouais. Et on va dormir le reste de la... qui nous reste en fait. On va faire ça. Ça nous remet un régène en fait progressivement. Je crois que ça dure 1 heure. Dans le jeu. Quelque chose comme ça. Ça remet pas mal, doit remettre 20% d'HP, un truc comme ça. Mais bon. Voilà, on a récupéré. Ouais, c'est potable. C'est très potable. On va aller récupérer le... Le loup. On va aller récupérer le loup quand même. J'ai pris du bois pour qu'on fasse du feu. Comme ça, on perd pas trop de vie. C'est bien, on peut passer par là, en fait. Ah, peut-être qu'on va même pas pouvoir faire du feu à côté de lui. Parce qu'il est en pente. Je peux pas. C'est pas grave. 20 minutes. Ok. Bon ben voilà. Alors, je pense qu'on va, ce qu'on va faire, on va cuire ce qu'on a de viande. On va refaire nos tisanes, tout ça, comme ça on est prêt. Vous voyez, ça c'est... Vous voyez que les... Genre les tisanes pour remettre de la vie progressivement, ou le thé pour mieux dormir et tout ça. Faut être honnête, on les a jamais... est-ce qu'on a de la lumière pour faire du feu? Je pense pas, hein, mais juste au cas où.
Voilà. On les a jamais utilisés. Enfin, on a sûrement utilisé, j'imagine, en plus d'un an. Mais c'est super rare qu'on le fasse. Et on doit se trimballer ces tisanes-là dans le sac à dos depuis je sais pas combien de temps. Genre depuis peut-être plusieurs mois, on va dire, hein, en gros, dans le jeu. Mais à ce moment-là, on était bien content de les avoir fait, genre il y a 5 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, le fait de bien se préparer, ça aide quand même. Oh putain, c'est 3 heures. Ça aide énormément de bien se préparer. Hein. Faut l'avouer. Parce que là, du coup... là, on peut se refaire attaquer, on ne va pas mourir, vous voyez ce que je veux dire? Donc, très bien. Très très bien. Mais ouais, on va finir cet épisode, enfin pas directement, mais on va le faire petit à petit. On va juste refaire nos tisanes, faire cuire la viande. C'est con que ça soit de ce côté, le... Attends. Comme ça là. Ouais, on a bien fait, je suis content. Tiens, on a ça aussi à sécher. Voilà, très bien. Cuir. On a un café aussi de près. Le café, par exemple, c'est un peu comme le même système que le thé. C'est que, enfin, la tisane, on va jamais vraiment l'utiliser en fait, genre tous les jours, tout ça. C'est pas commun en fait le fait de l'utiliser. Mais comme j'ai dit, c'est vachement bien d'en avoir une de prête, voire deux si vous avez la place, comme là, parce qu'on a pu récupérer énormément de vie en une nuit. Le café, c'est un peu la même chose. Si jamais on est bloqué, en fait, sur une corde et tout ça, et qu'on doit vraiment... vous voyez, entre les deux, il y a des petites corniches. Si jamais on est bloqué là, et il faut dormir et tout, imaginons qu'il fasse genre moins 50, on peut pas dormir, sinon on meurt de gel. Et on peut pas faire de feu. Ben là, du coup, on pourra, évidemment, survivre, en fait. On se remet du café, ça nous remet de l'endurance, et hop, on redescend ou on monte la corde, et on finit, quoi. Donc 2-2-2, c'est très bien, 125-125, très bien. On a ça à préparer. Là, on est en train de faire un thé, enfin non, une tisane. De tisane. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on en fait une deuxième? On n'en a pas beaucoup en fait, on a trois. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on va en boire une maintenant pour récupérer de la vie? Honnêtement, je pense que là on est sorti de la zone rouge. Quand on est en dessous des 50%, il faut absolument se remettre de la vie. Là, je pense qu'on est bon. Donc, je crois pas qu'on va faire grand-chose. Je pense qu'on va seulement manger, boire, dormir. Je viens de boire l'eau. Elle était bonne. Ok. J'ai pas regardé, j'ai pas fait attention. Très mauvais. 49. 25, c'est pas le bon. 49. 45, 45, 2 heures, ok, très bien. Voilà, je reste comme ça. On n'en a pas tellement que ça en fait. Je pensais qu'on en avait plus des baies là, mais en fait non. Encore 15 minutes. On a préparé le couteau, on va pouvoir l'aiguiser. Comme ça, on finit la pierre. Très bien. Ça, c'est embêtant de le jeter, parce que jamais on revient là, je vais être là. Ah, regardez, une pierre aiguisée! Mais en fait, elle est cassée. Ah, bref. Très bien, très bien.
ça, ça pèse lourd. Je suis pas super heureux en fait d'en avoir trouvé. C'est 0,25 lunes, c'est quand même bien bien lourd. Il y a les vêtements à recoudre. Ah, comme d'habitude, hein, toujours les chapkas et tout ça. Celle-là, par contre, là, ce manteau de, en peau d'ours, il commence à être un peu violent aussi niveau pourcentage. Un peu un problème. Là, on est bon, là, on est bon. On a 15. On a 15. On a une tempête qui se lève, donc on va pas sortir, c'est très bien. Là, c'est bon. On a encore 14 tissus. Faut faire attention à l'utilisation des tissus. Hein. Là, on n'a rien vraiment à recoudre en tissu. Comment on répare les, ça, là, les crampons? Il faut une fois un nécessaire de couture pour préparer les, des vêtements. C'est, ça doit pas être un nécessaire de couture, ça doit sûrement être un... Une caisse, je pense. Mais on n'a pas de métal de toute façon. Mais ouais, ok, d'accord, on peut le réparer. Donc faudra qu'on prenne du métal au cas où. On va le manger. Ouais, au cas où il faudra prendre du métal. Après la question c'est qu'est-ce qu'on prend pour monter les pas les échelles, les cordes. Alors on est à 37 kilos. On est à 37 kilos. C'est combien déjà le matelas là, le 3 kilos, le sac de couchage, 3 kilos je crois. On a 40. J'ai cru voir, non? Toujours vérifier au cas où, hein, parce que vu qu'on a, on a un loup qui est venu, faire un peu attention quand même. Ouais, donc là, ça nous fait une corde. Après, là, on a un pont en, avec un arbre. Et là, on a une deuxième corde. Et après, on devrait être sur la bonne rive. Et là, on devrait pouvoir trouver cette satanée mine. On a 2 litres 60, c'est pas beaucoup. On va un peu plus vite. Hein. Hop. Neige, eau non potable, potable. Faut pas se gourer, hein. Faut pas faire de la merde. Neige, eau non potable, eau potable. Très bien. 10 minutes. Ok, alors faites voir. 7 litres, très bien. Et après on a encore 3 steaks à 1 kilo. Ok, ça on jette. Très bien. Le bois on jette, très bien. Donc on est à 45. Ça on va pas le prendre. J'ai envie de prendre un charbon au cas où, parce que le charbon, c'est vrai que ça donne une, un bon boost de chaleur, en fait. Si on doit faire un feu à la... dans la nature, donc je serais pas contre.
Pas mal ça. Très bien. Donc là on est à 44. Et on a le sac de couchage et tout sur nous. On pourrait même faire un peu plus d'eau. La limite. Alors, pour le prochain épisode, je sais pas si on va directement prendre les cordes ou alors on va laisser passer la nuit. Parce que là, regardez, là on va, il va faire nuit, on va même se fatiguer en fait en sprintant. Y a rien d'autre à prendre. Non, y a rien d'autre à prendre. Faut qu'on dorme et je pense qu'on risque peut-être tout simplement d'attendre. Et on essaye de dormir la nuit. Ou alors on pourrait attendre maintenant et dormir après pendant la nuit. Ah, c'est peut-être mieux en fait, ça. Voilà, 45-08, c'est très bien. Là, on va laisser le feu. On va laisser ça, on va laisser ça. Je pense qu'on peut faire ça. Juste attendre et après dormir. Dans un sens, c'est peut-être plus logique en fait de faire ça qu'au lieu de se réveiller et d'attendre. Mais bon, c'est possible qu'on ait un très beau temps en fait. Mais après, je voudrais bien qu'elle soit fatiguée, comme ça on fait une grande séance de sommeil et on récupère beaucoup de vie. C'est ça que je veux aussi. Donc, ouais. Après, c'est pas très très calorie friendly, hein, comme on dit. De faire comme ça. Et moi qui parlais du... Ah, peut-être qu'il va faire une bonne journée, enfin une bonne nuit. Hein. Il va peut-être faire beau temps pendant la nuit. Regarde, on voit rien du tout déjà. On voit rien du tout déjà de l'intérieur. Ah, ça va, ça a l'air bien. Mon dieu, quoi. Encore heureux qu'on a une grotte. Hein. C'est un peu exagéré. Hein. Là, elle a l'air assez fatiguée. Je pense qu'on est bon. Bon, ok, on va s'arrêter là. La prochaine fois, on va attaquer ces cordes-là et être dans le bon côté de la map. Donc nous, on est là pour le moment. Donc on a vu qu'il y avait un pont, tout ça, détruit. On a vu, on a descendu une corde ici. Et là, on a trouvé une autre corde et apparemment, il y en a deux. Donc là, il y aura un pont en bois, enfin avec un tronc d'arbre. Enfin, un arbre plutôt. Après une deuxième corde, donc j'espère qu'on sera là, du coup, et là, en théorie, il y aurait une mine. Ça fait un gros bordel pour rejoindre cette mine. Elle a intérêt d'être bien, cette mine. Hein. Elle a intérêt d'être vraiment bien. Ça fait tellement de bruit, la tempête. Ok, on va s'arrêter là. Bonne nuit à tous.
et à la prochaine. Ciao ciao.